Désolée si vous entendez de la musique, mais c'est ma mère, elle écoute sa musique, donc on entend un peu tout. Mais bon, je voulais faire une vidéo parce que j'ai fini mon livre du mois. Enfin, du mois. Voilà quoi. Je crois que je l'ai fini en 2 semaines. Avec le travail et tout ça, je me dis qu'encore ça va parce que c'est une belle petite brique. Et en fait, ben, j'ai voulu vous faire une petite vidéo pour vous en parler. Tout le monde connaît Sublime Créature, hein. Et en fait, ben, j'ai adoré. Je l'avais déjà lu, je crois, mais je suis plus sûre. Mais bon, là, moi, je l'ai lu. Et en fait, j'ai regardé le DVD en même temps. Alors, ben, en fait, c'est j'ai longtemps rêvé de cette fille. Elle apparaissait dans un cauchemar où, malgré tous mes efforts, elle tombait sans que je puisse la sauver. Je me savais liée à elle d'une façon particulière. Et puis un jour, elle est arrivée en chair et en os au lycée de Gatlin, notre petite bourgade. Du sud des États-Unis, elle était belle et mystérieuse. Si j'avais su qu'en même temps que cette fille surgirait aussi une malédiction, j'étais éperdument amoureux, mais cet amour avait perdu d'avance. Alors en fait, c'est à l'anniversaire de son 16e anniversaire. Léna, elle doit être ténèbres ou lumière. Et en fait, normalement, ils disent tous. Elle pense qu'elle ne peut pas choisir, qu'elle sera ténèbres obligatoirement. Et en fait, c'est un peu ce qu'on va suivre. Une histoire d'amour entre Léna et. Léna et. Et Ethan. Je viens de deviner, je me souviens au début. Léna et Ethan. Et en fait, j'ai adoré. J'adore Ridley. Une méchante, on va dire. Séraphine, la mère de Léna. Le meilleur ami, l'arc. Je sais plus. Le meilleur ami d'Ethan aussi, il est pas mal. Ama, je l'adore. Et. Comment il s'appelle lui? Boo aussi, le chien de. Le chien de Mekon. Mekon aussi, je l'adore. En fait, je les adore tous, les personnages principaux. Je déteste Emily. Pourtant, c'est une humaine. C'est une vraie petite garce. Désolée, mais bon. Et j'adore mon DVD parce que regardez. Hop, ça fait un petit moment que je l'ai, mais bon. Je l'adore toujours autant. Et en fait, je suis dégoûtée qu'ils n'ont pas continué la saison, mais. Enfin. Voilà. Et j'ai adoré parce que c'est pas du tout pareil la fin. En fait, Mekon il meurt. Enfin, pour ceux qui ont vu le truc, Mekon il meurt et tout ça. Mais en fait, dans le film, il se fait passer pour Ethan. Il change d'aspect et il se change en Ethan. Et en fait, dans le livre, c'est pas du tout ça. Dans le livre, en fait, elle fait une incantation pour sauver Ethan parce qu'il est mort. Et elle veut lui donner. Elle veut faire un sort pour qu'il revive. Et en fait, quand elle fait ce sort-là, et ben en fait, c'est Mekon qui prend sa place. Parce qu'en fait, ils disent que si on fait revivre quelqu'un, il faut donner quelque chose. Donc, plein de trucs comme ça. Donc, ben voilà, du livre au film. Et j'adore les deux. Voilà, j'avais déjà vu le film, hein, pas de problème. Et par contre, je vais vous piocher ma prochaine lecture. Qu'est-ce que c'est? Là. Alors. À pile ou face. À pile ou face, je vais vous chercher ça. Alors c'est ça. À pile ou face. Il est tout petit, mais peut-être que dans ce mois-ci, je prendrai aussi des livres de bibliothèque, donc ça sera bon. Par contre, je vais le jeter parce que vu que c'est qu'un seul livre. Et voilà, bah, ma prochaine lecture, ça sera ceci. Et je suis pressée de le lire parce que ça m'a tabahi. Et vu que beaucoup de gens l'aiment bien, et bah, je suis pressée de commencer cette histoire. Et c'est marqué, Emma n'en croit pas ses yeux quand elle reçoit un mail de son frère Maxime. Impossible, absolument impossible. Les images du passé s'imprime sur sa rétine, la voiture de Maxime, l'accident, les secours qui évacuent son corps sans vie. Emma s'éloigne de l'ordinateur, s'approche à nouveau, ses doigts tremblent, une pression de l'index, le message s'ouvre. Et si soudain, vous pouviez prévoir l'avenir. Donc voilà, et j'adore, j'ai 3 petits livres de cette collection, et je suis pressée de lire pour voir ce que ça donne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à une prochaine vidéo.